Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de qualité, parce que voilà, ces derniers temps, en fait, mon recorder ne marchait plus, donc j'en ai trouvé un autre qui l'a remplacé, voilà. J'ai dû faire quelques modifications sur mon iPad, bref, c'est pas ça l'important, c'est le retour de la qualité. Donc avant, vous avez vu, en fait, vous avez eu des vidéos que j'avais tournées un petit peu avant, voilà, le temps que... En fait, c'est des vidéos au cas où il y a une petite panne de recorder, ce qui m'était déjà arrivé, bah, je prévois de faire des vidéos à l'avance, et comme ça, vous avez du contenu qui n'était pas forcément le meilleur des contenus, mais voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, on va se lancer aujourd'hui dans un petit truc, voilà, on va voir un petit peu ma chance, qui est quand même assez extrême, hein, par certains moments, voilà, comme vous pouvez le savoir, enfin même pas une chance, c'est carrément une moule galactique, intergalactique même. Donc voilà, lors de cette guerre contre le clan Mahantradgana, voilà, super nom, donc Clash Royale qui m'envoie une petite notification, cool. Je vous ferai des vidéos sur Clash Royale, hein, pas de problème, le temps que je me remette un petit peu bien dans le jeu. Donc voilà, la normale, des casse-briques en bas pour ouvrir avec une brèche faite de ce côté-là. C'est la technique que j'ai déjà exposée lors d'une dernière vidéo qui fait des merveilles contre cette base soi-disant piège. Donc un gros 6 golem. Après, bon, j'ai eu mon roi de niveau 40 qui a été livré il n'y a pas longtemps. C'est sûr que ça arrange un petit peu les choses. Bref, on envoie deux golems, normalement c'est 3 de chaque côté, voilà, je crois qu'il va tourner, voilà, normalement c'est 3 de chaque côté, 2 sorts de Sola, bam bam, tranquille. L'autre golem qui arrive après pour donner du renfort et pour détruire avec les sorciers qu'on a envoyés de ce côté-ci, l'aigle artilleur qui peut être très très gênant et qu'il faut détruire quand même assez rapidement. Donc voilà, un premier golem qui tank, des sorciers qui vont aider à la destruction. Ici on envoie sort de rage suivi de sort de gel pour aller au centre avec la destruction qui a été faite sur la tour de l'enfer, notamment aussi sur... L'HDV, voilà, qui est principal, qui va tomber sous l'effet du roi. Ici, on envoie le pouvoir du grand gardien lorsque la tour d'enfer en mode multi commence à toucher un petit peu nos troupes, comme les sorciers qui vont permettre vraiment de faire des grosses destructions au centre, voilà, étant donné que la reine tourne. Notre roi est mort à cause de cette tour d'enfer en mode solo. Voilà, on a fait le 50%, deuxième étoile. Là où on a un petit sorcier qui s'est perdu, ou là qui va peut-être être tué, je ne me souviens plus, bref. Là n'est pas la question, oui, il va mourir sûrement, voilà. On a deux archers pour le finish, dont un qui a été posé en haut et l'autre qui va être posé ici. Voilà, la reine qui j'active son pouvoir, elle va pouvoir détruire la tour d'enfer et sauver son petit pote, le grand gardien, voilà. Et donc voilà, bon après sur la fin de la partie, on va finir un petit peu, mais voilà, en tout cas 70% c'est quand même pas mal. Bon, c'était pas une compo 100% sur ce village, malheureusement. Donc, je préfère vraiment assurer dans les guerres de clan maintenant. Et vous allez voir la chance d'un Damien sur la deuxième attaque. Donc voilà, exactement la même composition que j'ai réussi à adapter. Donc voilà, avec les cours et tout, c'est assez compliqué de former des troupes, voilà. Et donc j'ai fait 38% et une étoile. Vous verrez la chance d'un Damien. Donc voilà, une base très compliquée que j'ai mal appréhendée. Je savais pas du tout comment l'attaquer. Donc c'était assez compliqué, je vais faire beaucoup de dégâts au centre, ça c'est ok. Mais malheureusement, vous allez le voir que mes casse-briques n'ont pas été à la hauteur que, que j'aurais su. Voilà, ils se sont séparés. Donc voilà, deux golems en bouclier, 6 sorts, 5 sorciers derrière. Et les casse-briques, ils n'ont pas tapé au même endroit. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Enfin bref, c'est dommage. Du coup, j'ai hésité. J'avais deux sorts de saut que je voulais bien garder pour écarter pour le 50%. Bref, c'était assez tendu. On va accélérer un peu. J'ai envoyé toute la pâtée. Il y avait des dégâts de zone qui tuaient tous mes sorciers. Énormément de dégâts sur les golems. Enfin voilà, vous comprenez bien que regardez qu'il n'y a pas... Il n'y a plus que 3 golems vivants là, ou 4, voilà, les golemites qui sautent, j'ai gelé quand même, pouvoir du le héros qui est mort, enfin le roi qui est mort avant que je puisse utiliser le pouvoir, la reine que j'ai déjà utilisé le pouvoir, tous les héros, voilà. Donc là il n'y avait plus qu'à attendre, j'avais espoir avec les sorciers, mais malheureusement la tour de l'enfer a détruit les golems et donc du coup bah, c'était un peu mort. Et vous allez voir, donc là on n'a plus de troupes sauf le grand gardien qui perd sa vie, regardez, hop. Et à la fin, il détruit l'hôtel de ville, donc voilà, ce n'est pas un fail, j'ai gagné beaucoup de butins grâce à ce petit grand gardien niveau 15. Je pense que niveau 14, il n'aurait pas fait le poids. Enfin voilà, je vous déconseille de prendre cette technique-là avec les casse-briques, parce qu'en fait, enfin, faut pouvoir être loin des défenses, notamment des dégâts de zone, comme les tours de sorciers et les mortiers, parce que ça fait mal. Voilà, donc une vidéo très courte, comme on me l'a demandé certaines fois, donc voilà, un petit format assez sympathique, je l'espère, pour vous. On n'hésite pas à lâcher un gros orteil en l'air pour le retour de la qualité. Voilà, je vais balancer du bon contenu, j'espère que ça va vous plaire. Par la suite, il y aura du Minecraft, mais avant, il y aura du... donc, c'est une petite série Minecraft, hein. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une chaîne Minecraft. Dites-moi si c'est une mauvaise idée, si vous n'aimez pas. Et puis, il y aura du Clash Royale, voilà, mes retours. Je suis actuellement au niveau 7, bientôt 8, il me semble.
Donc voilà, j'ai commencé dès que le jeu a sorti, je n'ai malheureusement pas pu faire de vidéo car comme je vous l'ai dit, mon recorder n'a pas marché, donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pendant cette guerre, on va très clairement les exploser. Voilà, j'ai un petit butin de 1,4 million, c'est assez cool. Et pour l'avancement de mon village, on a maxé nos héros, sauf lui, il lui manque 5 niveaux, donc voilà, on va pouvoir le relancer. D'ailleurs, c'est la deuxième attaque. Je l'ai faite, j'ai fait mes deux attaques, donc on va l'augmenter. C'est combien? 9 millions! Merde, est-ce que j'ai assez? Oh, excuse, pratiquement 10 millions, excuse, j'ai pas tant de time. Et on va se mettre en off, en guerre de clan. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'hésite pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Je le dis, je le répète, voilà. Si vous voulez des petits changements, genre facecam, ça pourra se faire, je pense. Quand j'aurai le budget, bien sûr. Bref, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus. Bisous, bisous. Et merci encore une fois à tous. But I will wait for you.